pour leur lune de miel, ces 15 couples de jeunes mariés taïwanais ont choisi l'Italie. Point d'orgue de leur séjour, un déjeuner dans ce restaurant. Oh, good morning. Bonjour. Bienvenue à tous. Comment allez-vous? Bienvenue à tout le monde. Près de 10 000 km de voyage pour manger un plat de pâtes qui provoque l'hystérie. Des paquets réunis aux 5 variétés de tomates, une recette savamment mise en scène par l'un des chefs. L'important, c'est le mélange. Le fromage fond petit à petit, l'onctuosité est donnée par le fromage, par notre sauce tomate, et tout ça mélangé à une certaine température. Regardez quelle crème! Quant à la cuisson, elle est forcément al dente. Quand on coupe les pâtes, on doit trouver la dent des pâtes. Regardez le blanc, le cœur est blanc comme une dent, c'est parfait. Pour le plat de pâtes, une entrée et un dessert, les Taïwanais déboursent chacun 100 euros. Oui, tout bien ? Tout va bien ? C'est bon ? Merci. À longueur d'année, ce restaurant reçoit au minimum un groupe de touristes asiatiques par semaine. Il y a quelques années, on a été invité à Taïwan. Et après, il y a eu un bouche à oreille. Petit à petit, des Taïwanais sont venus chez nous en Italie. Compris dans l'addition, le cérémonial de fin de repas. Une interminable séance photo où chacun prend la pose entre les deux chefs. Deux cuisiniers, deux frères, qui sont aujourd'hui des stars. Perdu dans la campagne lombarde, Da Vittorio, leur restaurant, est un 3 étoiles. À la carte, les classiques de la cuisine italienne. Des pâtes sous toutes leurs formes, ou des escalopes milanaises pantagruéliques. 2 kilos de veau, la portion pour 2 personnes. Oreilles de veau à la milanaise. Des oreilles d'éléphant. La maison propose aussi des plats plus raffinés. Un crémeux au chou-fleur pour continuer, nos queues de langoustine en provenance de Sicile. Blanchies au barbecue avec une puntarelle, une ricotta à la sauge, un laquage de betterave. Il y a aussi un risotto au parmesan, baies, fenouil sauvage et écume de crustacés. Ou encore une poire pochée et rhubarbe, coiffée d'un foie gras juste poêlé. Ce mélange de haute gastronomie et de cuisine familiale attire du beau monde. Ce jour-là, venu en hélicoptère pour le déjeuner, un homme d'affaires milanais qui a fait fortune dans les glaçons. Bonjour, bienvenue, comment allez-vous? Des footballeurs de l'Inter de Milan venus en famille. Ça va? Bien. Quelle belle tablée, ça fait plaisir de vous voir ici. Ou les héritiers de la famille Versace. Merveilleux. C'est de la cuisine italienne, qui est la plus simple et la meilleure. Prix moyen par personne, 220 euros sans les vins. Bon appétit à tous. C'est tellement beau. L'établissement compte 5 salles de restaurant et sert chaque jour pas moins de 320 couverts. Ce qui en fait le plus grand 3 étoiles du monde. Un empire de la haute gastronomie, bâti en 50 ans par une seule et même famille, les Cherea. Un clan, une fratrie, qui mène à la baguette 180 employés, dont 35 cuisiniers. Allez, allez, faites partir des fritures pour les tables 2 et 10, allez-y. Mets en marche aussi 3 escalopes. Le maître des fourneaux, c'est Kiko, 54 ans, l'aîné de la famille. Les gars, tout va bien, mais on est trop lent. Répondez-moi quand vous avez capté les ordres. Pour le seconder, l'un de ses frères, Bobo, 46 ans, le roi de la sauce aux 5 tomates pour les paquerini. On en produit 30 litres par jour et on passe tout dans la journée. Briefing, les garçons.
Alors, à la table 22, c'est la famille Massa. La salle, c'est l'affaire de la petite sœur Rossella. Prévoyez de la nourriture pour le petit chien. Et de ses 40 serveurs. Comme les autres membres de la famille, la Benjamine n'obéit qu'à une seule personne. Travaillez bien, messieurs, dames. La mama. En Dolce & Gabbana ou en Chanel, Bruna Cerea entre en scène à 21h. Bonsoir. Bonsoir. Oh, le petit chien. Il s'appelle Gigi. Il est toujours là. En 54 ans, elle n'a jamais manqué un lever de rideau. Chaque soir, elle accueille personnellement ses convives. Bonsoir. Bon appétit, bonsoir. Mesdames, bon appétit. Vous êtes là pour surveiller aussi un petit peu ? Non. Poco. Un peu. Vous avez l'œil sur tout, hein ? Poco. Un peu. Monsieur, bonsoir, bon appétit. Merci beaucoup. Parmi les dernières à partir le soir... Allez, Sissi, viens. Le matin, elle est toujours l'une des premières arrivées. Bonjour. Ciao. Tu as les cheveux bien longs, Chiara. À 78 ans, elle effectue tous les jours sa tournée d'inspection. Et Bruna n'a pas la langue dans sa poche. Bonjour. Ce matin, l'une de ses belles filles qui travaille à la compta en fait les frais. Ton chemisier n'est pas assez fermé. Tu vois, il y a des boutons. On doit obéir, on doit faire toujours tout ce qu'elle dit à nous. Aujourd'hui, Bruna tient seule les rênes de la maison da Vittorio. Vittorio, le prénom du fondateur du lieu, son défunt mari, le chef qui a créé l'entreprise. Leur épopée commence par une histoire d'amour, alors que Bruna a à peine 20 ans. Vittorio travaillait dans un café pâtisserie. J'y allais pour boire le chocolat chaud. Parce que Vittorio me plaisait, pas son chocolat. Et c'est comme ça que c'est arrivé. On est tombés amoureux et on s'est mariés après 2 ans. Et pendant 43 ans, on est restés ensemble, avec 5 merveilleux enfants. En 1966, Bruna et Vittorio ouvrent un restaurant à Bergame. Après l'école, tous les soirs, leurs enfants assurent le service en salle. On s'est beaucoup endettés pour acheter ce restaurant, mais c'était beau. On était jeunes, forts, on travaillait dur et on payait nos dettes. Au fil des années, les Cerea décrochent une puis 2 étoiles au Michelin, aidés par leurs 3 fils, Kiko et Bobo en cuisine, et Francesco qui officie comme sommelier. En 1996, le couple investit 3 millions d'euros dans le restaurant actuel. Vittorio meurt en 2005, à l'âge de 69 ans. Désormais, ce sont Bruna et ses enfants qui font prospérer l'héritage. Avant, c'était mon mari qui cuisinait. Moi, je regardais. Et je lui ai tout piqué. La recette du jour, lapin à la pancetta, arrosé de vin blanc. Le mercredi midi, quand le restaurant est fermé, Bruna reçoit la famille, un rituel institué par son mari. Aucune excuse n'est acceptée. Le clan doit répondre présent. 3 générations de Cerea. Bonjour. Bonjour, bien arrivé. Mon Dieu, tes cheveux, c'est une forêt. Il y a là les enfants, les petits-enfants, les belles-filles, les gendres, les petits copains. Qu'est-ce qu'on mange ? Polenta et lapin. Allez maman, on a faim. Bon, s'il vous plaît, vous sortez vos tickets restaurant. Ça, c'est mieux que 3 étoiles. C'est pas assez.
Maria Victoria, la fille de Bobo, ou Julia, sa cousine, ont deux points communs avec les 24 autres membres de la famille. Tous travaillent au restaurant et tous vivent sous le même toit. Vittorio avait fait construire cet ensemble de 5 maisons mitoyennes à quelques kilomètres du restaurant. L'aile avant-gauche est occupée par le chef, Kiko, et sa famille. À droite, au rez-de-chaussée, Bruna et son petit jardin pour ses chiens. Sissi, laisse-nous. Et voilà l'entrée pour accéder à l'autre partie. Les cousines empruntent cet escalier. Les unes pour rejoindre la maison de Bobo à gauche, les autres pour rentrer chez Rossella, la sœur, directrice de salle. Et si on allait boire un verre tous ensemble? Bon, allez, d'accord. On va aller chez Mayer? Oui, mais il n'y a plus le type qui faisait les bonnes pizzas. Il a ouvert un nouveau restaurant. On n'a pas de secrets les unes pour les autres. C'est à la fois positif et négatif. Mais bon, à la fin, c'est beau parce qu'on partage tout. Une vie en communauté et un avenir tracé d'avance, parfois un peu lourd à porter. Le passage du fond du bord des continents au fond océanique se produit par des sauts brusques. Notamment pour le fils de Kiko, prénommé Vittorio, comme son illustre grand-père. À 18 ans, Vittorio étudie l'économie. Il ne veut pas devenir chef, et pourtant, après les devoirs... S'il vous plaît, deux tourne-dos Bellini pour la table 5. Allez. Trois soirs par semaine, il revêt la toque pour apprendre les rudiments de la cuisine. S'il te plaît, fais marcher des spaghettis gambas et un risotto aux fruits de mer. Je n'ai jamais fait cette recette, papa. Pourquoi c'est aussi liquide, les garçons? Parce qu'on a mis de la sauce. C'est trop. Arrête le feu et maintenant dresse le plat. Et s'il veut faire un autre métier? Il s'en va. Si ça lui plaît pas, il peut s'en aller. De toute façon, tu ne peux pas faire ce travail si ça ne te plaît pas. Tu ne résisteras pas. Le fils est libre, sauf que même s'il se destine au management, il est prié de donner de son temps à l'entreprise familiale. C'est une obligation morale. Vous gagnez de l'argent ce soir? Non. La plupart du temps, non. Je dois faire ça, je suis là pour apprendre. Avec mon prof. Peut-être que ça devrait être à moi de payer. Ça semble fou, non? Mais c'est comme ça dans notre famille. On le fait pour la famille, pas pour l'argent. Maintenant, nettoie bien l'assiette autour, s'il te plaît. Mets pas les mains dessus. Comme ça, ça va, c'est beau. Est-ce qu'il est doué? Oui, il a ça dans le sang. Il tient de son papy et de son papa. Kiko, lui aussi, a d'abord appris de son père quand il était adolescent. Quand vous pouvez, assaisonnez l'assiette quand elle est chaude. Son père l'a poussé à aller se perfectionner en France, chez des chefs étoilés. Un apprentissage qu'il a mis à profit pour apporter des techniques de haute gastronomie à sa carte. Comme ses amuse-bouches au foie gras, trempées dans une sauce à la cerise amère. On commence par la compote de pommes. Ou le plat signature de la maison, l'œuf à œuf. Des œufs brouillés, une crème acide au parmesan et à l'ail. Mais aussi des œufs de saumon, de caille, une émulsion de pommes de terre. Sans oublier les 25 grammes de caviar, une entrée vendue 160 euros. Côté dessert, poire aux multiples textures. Ou tarte pomme revisitée, avec une crème d'avocat, un sorbet de pommes vertes et quelques gouttes d'huile d'olive. Ces plats élaborés ont permis au restaurant de gagner sa 3e étoile en 2010. Ils sont pourtant encore servis à la bonne franquette, comme au temps de papa. Ce soir, vous êtes le chef pâtissier. Ça, ça va vous inspirer. Alors, comme Pollock, vous mettez ça comme ça. Et là, c'est de la sauce vanille. Ce touriste hongrois est mis à contribution pour reproduire un tableau du peintre américain Jackson Pollock.
La particularité de ce dessert, c'est que vous le payez et vous le faites. C'est un bon business. Yes. Wow. And another one? Yes. Une animation inimaginable dans un restaurant étoilé français. Okay. Décontraction et proximité avec le client. Les Cerea aiment aussi montrer qu'ils ne perdent jamais de vue le terroir italien. Dans la vallée de la Brembana, à une heure de route du restaurant, les deux frères sont à la recherche de l'une des 450 variétés de fromage italien. Bonjour. Ciao Nick, bonjour. Allez, on s'embrasse. L'une des plus rares, le Matuccine, un fromage de chèvre. Sa production est très limitée. Son prix peut atteindre les 100 euros le kilo. Waouh! On va couper pour la première fois une meule de Matuccine de 2019. Ok. Comme ça, la moitié, les gars. Waouh! Sens-moi ça. Sens-le. Pas mal. Moi, les parfums que je sens, ce sont les fleurs, c'est plein de choses. En fonction du temps d'affinage, le goût du fromage est plus ou moins fort et son prix plus ou moins élevé. La saveur se développe petit à petit. Ça sent un peu le bambou et le chardon. On pourrait essayer de le faire avec notre polenta et les casoncelli. On pourrait même ajouter un peu de truffe avec le ravioli. Ce serait un bon accord. Les deux frères envisagent de commander 50 kilos de Matuccine par mois. Encore faut-il que la recette qu'ils ont imaginée tienne ses promesses. De retour au restaurant, Bobo fait fondre le fromage pour élaborer la crème. Voilà. Il la met dans les casancello, les raviolis typiques de Bergame, dont la pâte contient 8 jaunes et 4 fantiers au kilo. Alors il faut plier la pâte comme ça, comme un bonbon. Et après tu appuies. Et quand tu le manges... Servi avec polenta, jus de viande, truffes noires et écume d'épinards, les raviolis vont maintenant devoir passer devant le comité de censure. Il est composé du maître d'hôtel, du chef de partie, de Bobo, du sous-chef, du sommelier, mais aussi de plusieurs membres de la famille Cerea. Ça sent bon. Ça sent le sous-bois. Oui. Voilà. Chacun goûte et donne son avis. Bon. Ah, il faudrait du croquant. Ouais, peut-être un crumble. Oui, mais il faudrait peut-être le renforcer avec un peu plus d'écume ou de sauce. Tes impressions ? C'est très bon, madame. Il ne manque rien. C'est le bon équilibre. Le dernier mot revient toujours à Bruna, la maman. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est léger, non ? Tu m'en prépares une belle petite assiette pour ce soir. Super ! C'est parfait. Bruna a aimé. L'entrée sera mise à la carte. L'entreprise familiale tourne bien. L'an dernier, Da Vittorio a même réalisé 13 millions de bénéfices. Vous préférez un bonbon avec la liqueur, noir, blanc, limoncello ? Pour arrondir encore les fins de mois, les Cerea débordent d'idées lucratives. À ceux qui en ont les moyens, ils proposent notamment de venir cuisiner à domicile, quitte à commettre quelques entorses aux règles de la haute gastronomie. Cette semaine, direction la Toscane, sur les terres de Masetto, l'un des meilleurs crus italiens. Les propriétaires de ce vignoble ont invité grande famille de Champagne et châtelains bordelais pour l'inauguration de leur nouvelle cave. Au fourneau,
Il leur fallait donc des as. Pour la soirée, ils se sont offerts les frères Cherea et 40 de leurs employés. Facture, 35 000 euros. C'est beau. Encore plus grand que chez vous. Presque. Les frères ont transformé la cave en salle de restaurant. Quant à la cuisine, elle est installée sous une tente de fortune à l'extérieur. Et on n'hésite pas à recourir au sous-vide. Le pigeon servi ce soir est déjà pré-cuit, une aberration pour certains gastronomes. Comment ça se présente? Il a l'air croquant. Mais Kiko assume. En général, il ne faut pas utiliser la cuisine sous vide, car ça rend toutes les saveurs et toutes les textures de viande identiques. Mais dans ce cas-là, c'est très utile pour faire en sorte que le pigeon soit parfaitement cuit quand il faut faire sortir 100 plats en même temps. Allez, vas-y. Tu les mets où? Je les mets dans l'eau. Non, Paolo, écoute-moi. Non. Tu les enlèves, tu refais bouillir l'eau et tu les remets quand la température a baissé. Non. Ici, ce n'est pas comme au restaurant. Il faut servir 140 assiettes quasi simultanément. Et ce sont les invités qui décident quand ils passent à table. Il n'y a qu'une personne qui est assise, les autres sont toutes debout. Ok, je te remercie. Ah, on est dans la merde. Parce que nous sommes presque prêts, les clients ne sont pas encore à la table. Qu'est-ce que vous allez faire? Couvrir comme ça. Et on tient au chaud. Le discours a commencé. Ok, merci. Il faut rappeler ici tous les serveurs. Seul Carlo reste de l'autre côté. La brigade a maintenant moins de 3 minutes. Apporte-moi les langoustines. Pour dresser 140 assiettes. Pas de fioritures. Crème de petits pois, feuilles de salade, langoustines et citron. Pas plus de 5 opérations par assiette. Il y a quelqu'un de mon équipe? Quelqu'un pour nettoyer les assiettes? Appelez-moi les commis pour nettoyer les assiettes. C'est du 3 étoiles, ça? Eh bien, tu me le diras toi, à la fin, quand tu auras goûté. Tout le monde en file indienne. Vous avez la pression? Ouais, c'est stressant, mais faisable. Grâce à sa notoriété, l'an dernier, la famille a organisé près de 150 réceptions de ce type en Italie et en Asie. Cette activité représente aujourd'hui 40% du chiffre d'affaires de l'entreprise familiale.